Gugugaga, gugagugugu, gugagugagigala. Oh, mais ils sont tellement mignons, ces enfants. Vraiment, j'exerce le plus beau métier du monde. Oui, tu vas voir, toi. Tout à l'heure, tu vas nous donner ton biberon. Mais j'ai faim. Je veux manger mon biberon. Nous, on est plus grands et plus forts que toi. On est des jumeaux. On a besoin de plus d'énergie que toi. Et puis, de toute manière, c'était pas vraiment une question. Tu vas nous donner ton biberon, sinon on va te casser la tête en 1000 morceaux. Ça fait combien 1000 morceaux? Ouais, c'est vrai ça, frangin. Ça fait combien 1000 morceaux? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Ben, si vous savez pas, comment vous allez faire? Alors, toi, tu vas voir. Même si tu nous donnes ton biberon, on va te casser la tête. Quoi? Oh non! Non, je vais chercher mon biberon, je vous le donne tout de suite. Tellement mignon. J'adore. Et les jumeaux, c'est vraiment pas bien de faire peur aux autres bébés de la crèche. Oh, voilà la justicière qui s'est ramenée. Ouais, t'as vu la justicière? Et toi, tu sais que faire répéter ce que ton frère y raconte? Ben non, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quoi? Écoutez-moi bien les jumeaux, j'ai vu que vous embêtiez les bébés à la crèche. Je suis venue pour vous donner un avertissement. Si vous continuez, ça va mal se finir. T'as de la chance que t'es une fille, parce que vous les filles, vous êtes fragiles. Nous, on embête que les garçons. Ouais, ben moi je suis sûre que je suis plus forte que tous les deux réunis d'abord. Ouais, c'est ça. Allez, vas-y, va-t'en là. Ouais, va-t'en. Je vous aurais prévenu. Faites attention à ce que vous faites. Non mais faites attention, vous allez détruire mon ballon. Non, mon ballon. Vous avez encore fait pleurer Quentin. Pourquoi vous avez fait ça? Oh, c'est bon, hein. On a joué avec lui. Ouais, on a joué avec lui et même qu'on s'est bien amusé. C'est n'importe quoi. Parce que ses parents sont venus chercher. Il pleurait tellement que la dame de la crèche, elle a pas réussi à le consoler. Vous avez cassé son ballon. Alors là, non, hein. Techniquement, c'est la flèche qui a cassé son ballon. Pas nous, hein. Ouais, c'est pas nous. C'est la flèche, d'abord. Si vous continuez comme ça, vous allez être viré de la crèche. Je vous préviens une deuxième fois. Même pas vrai, parce que notre papa, il donne tellement d'argent à la crèche que la crèche, elle peut pas nous virer. Ouais, notre papa, c'est un donateur. La crèche, elle a même pu refaire tous les murs, grâce à nous. Donc, jamais de la vie, on va être viré. C'est pas une raison, c'est pas bien d'être méchant. Et c'est pas drôle d'être gentil. Ouais, vraiment pas drôle. Vous devriez essayer pour changer. Elle m'a énervé, hein. Je sais que d'habitude, on embête que les garçons. Mais elle se comporte comme un garçon. Elle m'énerve. Tu veux qu'on se venge? Ouais, vas-y, on se venge. T'es sûr, c'est son pot à elle? Tu es certain, c'est le sien. Coca, caca, caca. Oh, tu veux aller sur le pot? Vas-y. Tu peux y aller, tu m'appelles si tu as besoin de moi. Ouh. Trop mignons ces enfants. C'est quoi ça? Pourquoi il y a plein de caca dans mon pot? Tu sais, c'est dégueulasse. Yerk. Les garçons, aujourd'hui, pas de crèche pour vous. Vous pouvez rentrer chez vous. Oui, je sais bien. C'est compliqué, c'est la vie. Mais bon, vous avez fait trop de bêtises. Et pour cela, vous êtes virés. Votre père va venir vous chercher. Mais je suis désolée, je ne peux pas vous laisser rentrer. Vous n'avez plus le droit de rentrer dans la crèche. Vous êtes totalement interdit et banni. Il y a des photos de vous partout dans la crèche. Il dit « wanted », c'est-à-dire que si vous rentrez, eh bien, vous serez automatiquement dénoncé par les enfants de la crèche. Maintenant, il va falloir trouver une autre crèche, ce qui va être assez compliqué étant donné que je crois que vous êtes blacklisté dans toutes les crèches de Brookhaven. Et j'ai entendu dire que dans la ville d'à côté, il y a une crèche. Mais cette crèche est vraiment horrible.
Il y a des trous dans les murs, des souris qui se baladent entre les meubles, et des enfants bien pires que vous. C'est pas ce que vous avez fait pour énerver la fille du directeur, mais c'est fait. Bon courage à vous. Gaga gaga gou. T'étais au courant que c'était la fille du directeur ? Ben non, je savais pas. Et puis avec toutes les bêtises qu'on a fait, on n'a jamais été viré. Je pense qu'on s'en est pris à la mauvaise personne. Ouais, t'as raison. On fait quoi maintenant ? On attend papa. Je suis sûr qu'il va nous trouver une autre bonne crèche. En tout cas, ça en valait la peine. C'était tellement drôle de faire caca dans son pot. Et t'as vu sa réaction ? Oui. C'est ça notre nouvelle crèche ? Ouais, apparemment c'est la seule qui a accepté de nous prendre. Comme on dit, faut pas juger son livre à sa couverture. Peut-être qu'à l'intérieur il y a plein de jeux, ça va être cool. Et il y aura certainement plein d'autres enfants à embêter. Ah ! C'est vous les nouveaux ! Oh les jumeaux, c'est bien vous ! Et vous savez que vous êtes les premiers enfants dans ma crèche ! Vite, cours ! Ah, ben quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, je sais ! Vous voulez jouer à chat perché ? J'arrive !